Nous disons, bon Dieu, merci qui fait nous grâce pour nous encore asseoir dans la présence de Dieu, pour nous bailler bon Dieu gloire. Nous content et c'est à faire nous grâce, nous avons un souffle de vie dans nous-mêmes toujours. Et nous connaissons que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes pas capables de subsister. Sans la faveur de Dieu, nous ne sommes pas capables de vivre. Et parole bon Dieu claire, là, nous venons pas son temps dans la présence de Dieu, nous ne pas perdre ça, nous ne pas gaspiller ça. Nous venons prier, nous pas perdre ça. Donc nous disons bon Dieu merci et nous encourageons à continuer à servir bon Dieu. Pas servir bon Dieu pour le monde, pas servir bon Dieu pour personne, mais servir bon Dieu pour ça, bon Dieu y est dans la vie ou, et pour ça, bon Dieu fait pour nous-mêmes, pour ça, continuer à faire pour nous-mêmes. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous avons fait une courte méditation comme on connaît chaque premier week-end de Dieu, nous sommes censés méditer avec vous. Nous pas t'arrêter trop long. Et tout dépend de comment Saint-Esprit guide nous. N'a gardé si nous avons médité son seul verset avec vous à soi. Comme on connaît depuis nous commencé à nous t'a parlé sous l'église. C'est maintenant que nous sentons ça, nous inspirer pour nous parler avec vous de l'église. Parce que vous c'est l'église. Et pour comprendre qui vous êtes en tant que représentant de Dieu sur terre ça. Et leur nom place. Pour comprendre vous êtes, leur nom place. En tant que représentant de Dieu dans la famille, parce que nous-mêmes qui l'église là, nous représentons bon Dieu tout côté nous y est. Donc, nous sentons pour nous déparler sur ça et nous avons commencé à faire voyage là. Nous avons défini pour nous-mêmes et question l'église là, nous avons fait histoire li, départ, début et nous avons parlé de comment l'église a commencé. Nous avons dit qu'après l'apôtre Pierre a prêché dans le jour de la Pentecôte là, message que le prêché, un vibrant message, plus de 3 000, environ 3 000 âmes, 3 000 mondes. Et nous voulons corriger ça parce que nous croyons hier, et pendant que nous avons médité, au lieu de 3 000, pour me dire 3 000 mondes, c'est nous pensons que nous avons dit 1 000 ou bien 2 000, mais c'est 3 000 mondes, nous pensons que nous sommes tous comme ça, 3 000 mondes qui ont accepté Christ dans le moment ça, et l'Église a été fondée. Et nous avons commencé à voir avec vous. L'église, ça, c'est lui-même qui était l'église que théologien ou l'église primitive. C'est première église à trouver là à Jérusalem. Donc, nous avons commencé à parler avec vous. Mounsa qui fait partie de l'église, ça, les membres de l'église, les chrétiens, ces premiers chrétiens qui s'étaient caractérisés. Et nous avons fait parler parce que nous avons acte chapitre 2, verset 41 à 47. Nous avons pris 41 déjà et puis 42. Nous te font parler pour nous dire que moun sa yo chrétien sa yo yon nan bay ki te fait l'église la fort, ça te caractérise la vie chrétien sa yo, yo te a persévérer dans l'enseignement, yo te là dans l'enseignement, yo t'a pas prendre parole bon Dieu, yo te dans communion fraternelle, yo te dans fraction des pains, ça veut dire t'a communion, yo t'a gain fellowship ensemble et yo te dans la prière. Hier nous t'ai touché côté où tu es dans la prière, et tu fais un bon petit parler pour nous dire la prière est c'est clé. Et nous disons pas de chrétien sans la prière, pas de chrétien qui est puissant sans la prière, pas de l'église qui a prospéré, qui a grandi spirituellement et à tout point de vue sans la prière, pas de réveil sans la prière. Nous te font bon petit parler sur ça hier, et je crois que je vais parler pour moi ou te prendre méditation. Donc, à soi, je vais continuer à verset 42, dans Acte chapitre 2, verset 42, qui continue à montrer caractéristiques chrétiens. Premier chrétien, ça, on a Acte chapitre 2, verset 42, il dit, I'm sorry, verset 42, on a dit verset 43, pardon, verset 43, il dit, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte t'est emparée de eux-mêmes, et t'es gagné pile miracle, pour dire avec miracle, qui t'a fait à travers les apôtres. Donc, et yon nan le bay qui t'a caractérisé l'église primitive là, qui t'a caractérisé fidèle ça yo, les membres de cette église, c'est que t'es gagné ça ou en fonction de ça t'a passé devant yo, t'es gagné ça ou la crainte, yo t'es gagné ça ou la crainte. Ça veut dire, yo t'es gagné ça ou yon sorte de respect, yon sorte de révérence pour les affaires de Dieu,
pour les serviteurs de Dieu, pour la parole de Dieu. Yo te crainte bon Dieu, yo te gon crainte pour bon Dieu. Yo te gon respect pour bon Dieu. M'dan mon comprendre ça bien à soi et chrétien ou chrétien, son monde du chrétien ou chrétien et vous pas gagne crainte pour bon Dieu, ça veut dire pas gagne révérence ou pas respecter bon Dieu, et bien gros problème parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, ça, c'est lui-même qui permet que toute leur grâce, toute bénédiction vienne dans la vie. Yo chrétien qui a vivre, qui pas craint bon Dieu, eh bien, moun sa, nous pas qu'à dire son moun qui marche avec bon Dieu, nous pas qu'à dire son chrétien parce qu'il pas respecter bon Dieu, il pas respecter parole bon Dieu. Yo chrétien qui respecte parole bon Dieu, parce que lui, gagne sa ou li, yon relation avec bon Dieu, mais gagne tout relation avec ses frères et ses sœurs. Donc, yon moun qui respecte, yon moun qui craint bon Dieu, non seulement li respecte bon Dieu, les yeux par ou li gagne bagay, li pape fait même le l'enfer noir, en même temps tout, moun qui respecte bon Dieu, moun qui craint bon Dieu, quel que l'on soit titre li dans l'église, même si son sept monde qui t'en dit chita l'église dans son monde qui t'est dans niveau archibishop qui t'est dans archevêque n'importe saleté ya li son monde qui gien révérence qui gon respect pour bon Dieu, mais respect ça gien pour bon Dieu a fait tout en même temps vinn gon respect pour ses frères, pour ses sœurs, parce que nous gon respect pour bon Dieu qui c'est vertical, mais dans relation horizontale nous gien avec moun nan, avec moun moun bon côté nous, respect ou bien révérence ou bien crainte nous gien pour bon Dieu a ta doué manifester pour avec moun n'a fonctionner. Des fois gien moun k'a parler, yo gien tout titre, yo di yo gien tout gros titre, yo remet bon Dieu, yo c'est si, yo c'est là, et pourtant l'ou regarder comment a traiter moun. Yo pa traite moun bien, moun c'est un coup fatra, moun pa gen valeur devant yo. Moun puisque yo gen possibilité, des fois gen la dans une position, yo seulement prend moun nan comme un objet. Et tant que moun ki bon côté yo son objet lié, li pa gagner. Bon, yo pa ka prend ka moun ça. Yo pa ka prend ka moun ça. Et c'est comme ça que fait gen pile koto passé ou jwenn gen pile problème, parce que dans l'église yo pile fois les fidèles de l'église yo pa senti yo remè yo pa senti yo respecté yo ba aux valeurs, parce que seulement prend yo pour yon chose. Et bon prédicateur en pile moun remè, yo pile moun pa vle tande tout, bon li mouri konnen. C'est évangéliste Taylor qui t'a prêché un message dans le sens ça t'es comment ça prêcher type de message ça yo t'a monté comment dans l'église yo fidèle yo pas traité au bien même yo pas prendre pour rien yo pas considéré yo dès comme ça et ben moun nan senti le comportement li pas la caille li pas senti li nan vraiment l'assemblée de Dieu, l'assemblée de Jésus-Christ. Donc yon moun ki a servi bon Dieu, ki gen crainte pour bon Dieu, et bien ou commence par respecter bon Dieu ko pa wè ki nan ciel là. Après ça crainte ça, respect ça, l'amour ça, et bien li pral transférer maintenant sou moun ki a vive bon côté ou. Ou pral traiter moun bien, ou pral respecter moun. Sou son fidèle l'église, ou pral respecter frère qui chita bon côté ou là, sœur qui chita bon côté ou là. Ou pral respecter même ti moun petit. Ou pral respecter moun bon Dieu mette comme leader sous tête ou. Sou gen comité l'église ou ap respecter ou. Sou gen moniteur école du dimanche ou ap respecter ou. Sou gen pasteur ou ap respecter ou, parce qu'on connaît et bien la crainte de l'Éternel, ou connaît que crainte bon Dieu là, c'est une source pour qui permet bénédiction, son porte qui peut permettre bénédiction bon Dieu entrer dans la vie ou, et ou ap respecter moun. En même temps, nous pas qu'à ignorer pendant ce temps nous-mêmes qui c'est les leaders, n'a demandé moun pour respecter nous, n'a demandé moun pour crainte pour nous, mais pile fois leader pas respecter moun, yo pas prendre moun pour rien. Leader décide carrément, c'est un coup moun qui vient devant yon, moun nan qui vient chita devant yon, c'est un coup son propriété privée le vinier. A tel point que moun qui leader nan place, yon gen fidèle, yon pas pour fidèle la pour yon. Comprenez-moi, fidèle la pa gen la voile, pa ka parler, pa gen yon, parce que fidèle la pour yon,
Son moun ki vin chita la pi yo dou fè a droite à droite à gauche à gauche. Pourtant moun ki gen crête pour bon Dieu, ki gen crête, ki gen respect, ki gen révérence pour bon Dieu a, lèl gen yon moun ki vin côté li konnen moun sa, bon Dieu metel comme yon moun pou aider. Ki job on l'église, moun nan la, le bon Dieu al chèche moun nan, Saint-Esprit mené moun nan sot nan nan le monde vin nan vin nan assemblée a. Job l'église là c'est pour aider moun sa grandi kembe là pour mener nan ciel et puis aider l'autre moun à chercher l'autre moun vin vini mené nan royaume nan. Mais gen pile fois comportement yo ou comprendre moi moun yo senti yo humilié moun yo senti yo pas nan la caillou pas gen amour pour yo même si yo nan situation difficile pas gen moun k'ap parler avec yo et cetera donc gen bagay sa yo k'ap passer pas oublier de di le m'a parler de l'église m'a parler de yon l'église m'a parler de l'église de façon générale moi même bon Dieu fait grâce m'gen tan gen possibilité m'te font bon voyage nan ministère moi bon m'te tout jeune dans 20 ans moi yo m'te voyage dans presque tout département Haïti yo à prêcher l'évangile à fonder à faire le travail pour Seigneur m'te ouais m'te connais qui ça k'ap passer l'église gen côté moi vient m'konn ouais ça k'ap passer dans l'église yo donc m'pa focus sur l'église moi même pas de façon générale en fonction de comment moi ça y est donc l'église malheureusement et en pile fois moun yo pas comprendre yo pas respecter et moun bon Dieu met bon côté yo. Pendant ce temps, fidèle l'église pas respecter les responsables, en même temps tout grand plus responsable yo pas prend fidèle moun bon Dieu mette bon côté yo tant kou yo frère tant kou yon sœur tant kou moun bon Dieu mette pour aider yo pour faire route ensemble avec lui, mais des fois on prend dans kon propriété privée tant kon bagay yo gagne et puis yo décider gen ou vla avec yo. Donc moun ki craint bon Dieu craint ça son respect, son révérence absolue qu'on gagne pour bon Dieu, et cette révérence li pral la sorti connecté la fait li connecté avec bon Dieu, mais révérence ça tout pral ou comprend moi manifester dans relation nous yon ak l'autre. Yo pral wè yon respecte l'autre, parce que l'homme moun pa respecte moun li très difficile pour ou mandé pour exiger le respect. Parce que l'homme moun nou respecte ou pas même besoin faire moun respecte en retour. Donc en fait ça veut dire ça, yon nan baga ki te fait force l'église primitive là, yon nan baga ki te caractériser souvle ces chrétiens, les premiers chrétiens, yo te gen ça la crainte, yo te gen ça relé le respect, vous comprenez moi, pour les apôtres, le respect pour mon Dieu, le respect pour les apôtres, et yo te gen respect, yo te gen révérence crainte yon pour l'autre. Donc ça c'était une bagarre qui était fait force l'église là. Et me penser toute l'église, toute assemblée, tout monde qui a fait l'évangile qui doit avancer ensemble, faut qu'il y ait relation ça, faut qu'il y ait relation de révérence ça nous pour l'autre. Les comme ça on relation en haut comme en bas, ça veut dire en bas respecter en l'air respecter en bas, et puis dans contexte ça tout, n'a pas avancer ensemble pour nous faire route pour le ciel. Deuxième bagarre qui dans verset ça que me dit là, à côté de respect et de crête ça que yo te gagné qui t'en paré yo te gagné ça ou l'église primitive ça yo nan ba qui t'est caractérisé li t'est caractérisé par ça par en pile prodige et miracle qui t'a fait dans l'église ça te gagné en pile prodige te gagné en pile miracle qui t'a fait dans l'église là. Donc prodige et ndame d'abord faut qu'on ait que prodige son mot en li sorti nom mot grec c'est terrasse. Mo grec terrasse ça li c'est un comme d'a ou c'est un miracle qui révélait yon vérité cachée, yon vérité cachée. Yon prodige son miracle, yon le yon wonder en anglais, son miracle qui révélait yon vérité cachée. Par exemple, nous gen un exemple dans Marc chapitre 9 verset 2 à 13 côté que et sous montagne de la transfiguration. Ça c'est ton prodige parce que son miracle mais qui révélait ça olé la gloire de Jésus et la déité de Jésus, qui montrait la gloire et qui montrait Jésus c'était Dieu. Donc son prodige, son bagage extraordinaire qui montrait qui est la gloire, qui révélait une vérité qui cachait, qui était cachée. Donc c'est ça un prodige, il y a un pile prodige qui t'a fait dans le temps.
yon signe et des signes aussi. Des signes, des prodiges et des signes. Ben, bien Bible qui dit des miracles et des signes. Et bien, yon signe, c'est signe là, même le sorti dans le mot grec là, qui c'est séméion. Signe sorti dans le mot grec, séméion. Lui-même, son miracle qui fait pour un monde qui spécial. Un monde qui choisit de façon spéciale un miracle fait, qui fait à travers le monde ça. Il y a un exemple nous gagne, nous par exemple dans acte 28 verset 1 à 6 côté que apôtre Paul te gon un bagage extraordinaire signe bon Dieu te bail pour les païens pour te capable faire ouais qui yes qui investissement bon Dieu fait dans lui lorsque vipère la te piqué apôtre Paul et vipère la piqué lui tout on a fait lui mourir et yo te gardé ouais rien va passer. Donc en réalité dans l'église primitive là tu as des prodiges, des bagages extraordinaires qui t'a révélé la gloire de Dieu qui t'a passé et des bagages extraordinaires qui t'a passé qui pour t'es capable de faire ouais qui yes vous comprenez moi moun qui a servi bon Dieu ça a été. Donc l'autre bagage qui t'es nous besoin songer c'est que miracle bon Dieu fait miracle, bon Dieu pas fait miracle pour les pâter la galerie. Et yon nan bagay ki enterese m tou nan verse sa, si m pran nan Bible anglais, li di ke miracle ta fait à travers les apôtres. C'est à travers. Bon, lui se kon di par les apôtres, c'est tankou c'est yon même qui fait miracle là. Mais en réalité, miracle c'est pas bagay moun fait. Moun pa fait miracle. Moun pa ka forcer bon Dieu fait miracle. Bon Dieu gagne objectif li nan question miracle parce que miracle en réalité, son bagay bon Dieu fait pour le capable boost, pour le capable on capable dit bay message là en force pour ouais comprendre moi c'est bagarre qui marchait avec message mais je dis a tout monde a cherché miracle tout monde a pour des miracles et tout côté qui parlait de miracle c'est le full moon mais en réalité et moun sa yo pas chercher bon Dieu puisque moun yo pas enseigné yo pas comprendre moun ka fait moun ka dit moun à travers si la miracle a opéré a moun sa en pile fois yo prend moun sa c'est un coucher lit bon Dieu a et yo presque n'importe qui leur comprend moun sa gèl bon van li gon source li kanik fait miracle pa gen bay comme ça ça son miracle son onction bon Dieu mette onction ça sur moun pour moun nan fond bagage spécial le bon Dieu vle pa gon moun ki ka décider comprend moi tel moun malade bon bral guérir moun sa. Ou bien doit prier moun guéri et puis moun sa bon Dieu pas décider guérir ou fait toute la voix prier pas guéri parce que bon Dieu doit décider moun sa pas guéri moun sa pas guérir. Donc en réalité miracle c'est bon Dieu qui fait miracle à travers des moun li joine qui disponible et qui disposé. Donc l'église primitive là t'ai un pile miracle qui t'a fait la donne et ou capable ouais. Et sous garde contexte là par rapport avec verset nous li avant yo ou ta pourrait que yon nan bagay ki résultat et miracle qui fait gen miracle ça c'est parce que en fait te gagné persévérance dans la prière te gagné moun te konn la parole parce que l'on pa konn la parole ou prie mal moun te konn la parole moun te prier et puis moun te gen ça la crainte le respect la révérence et puis tout ça honnête pral vinn mené que ou gon côté cet esprit à l'œuvre cet esprit à travail. Donc miracle l'église primitive te gen parce que élément ça était là d'ailleurs mon songe que miracle c'est apôtre t'a fait miracle mais en réalité miracle t'a fait à travers c'est cet esprit t'a opéré si cet esprit t'a retiré col dans la vie pas t'a gen miracle pas t'a gen prodige d'ailleurs mon comprendre que toute l'église tout le monde personnellement si ou attaché à bon Dieu ou son agent de miracle ou son agent de miracle et bon Dieu gen des miracles à faire jodi a vous comprenez moi qui et des fois moun pa témoigner ou bien moun pa même miracle a fait parce que gen bagay bon Dieu fait c'est selon miracle qui ka fait gen des positions c'est selon miracle gen des gens ou a vivre c'est selon miracle ou capable ouais sou ap viv toujours gen des moun k'ap viv c'est son miracle parce que autrement maladie ou gen faut te mourir longtemps ou konprann mwen gen des ou on pays difficile konso pa même parler langue gen moun k'ap dormi en bas pont
Gen moun nan peyi sa ki pitit peyi ak fèt nan peyi ak ap dormi an ba pon, k'ap manje nan fatra. Ou même sou vin nan peyi sa, bon Dieu fò gras, malgré son étranger et pou gon kote pou rete, ou genye yon chèk k'ap antre nan men ou, des fois même gen business, ou genye des activités, ou genye job ki gen tit, c'est miracle. Mais des fois nous pas témoigner miracle yo prodige bon Dieu continue à faire yo pour capable faire ouais qui ça le fait moi même j'ai des miracles par exemple mon miracle gen moun ki capable penser ça son miracle mais pour moi son miracle parce que gon bagaille ou écrivain là vous c'est seul un miracle pour lui il pas qu'un autre bagaille il pas qu'un autre bagaille me songe j'aime gen travail ça me gagne là et le travail ça me gagne là pour moi son miracle parce que moi appliquer m'dormi moi son moun ki di m comme ça que yo bon mon promotion dans travail moi m'étais pensé c'est même travail m'étais gagné avant mais bon Dieu c'est pas ça le dépenser son travail qui puis avancer donc m'vinn gon job pendant m'appliquer pour travail ça c'est l'homme fin gen job là m'a pas prendre gen moun ki gen 3 maîtrise nan men yo gen moun ki était dans job là qui t'a travaillé nan qui était en bas moun qui était quitté place là qui était n'importe gen 5 à 10 ans depuis dans job là. Et moun sa yo appliqué, yo passé interview, yo gen qualification, yo gen maîtrise nan men yo tout. Mais depuis moi rivé, moi même nan interview a bon Dieu fait, moun ki t'a interview venu yo, c'est un coup c'est moi bon Dieu te vle ba job là, c'est yo attiré par nous même. Et m'étais prier m'étais dit bon Dieu ça. Pour moi ça son miracle parce que on est qui gen 3 maîtrise nan men. On moun ki a fonctionné, qui déjà non job, qui connait job là déjà. Ou pas ka saute dehors pour venir bon job sous lui comme ça. Pour moi son miracle et deuxième bail qui arrive dans job ça me considère comme un miracle pour moi personnellement et pour famille. Par exemple l'homme travaille d'habitude 3 premiers mois de travail là sont 3 premiers mois de probation. Ça veut dire l'homme jeune job ou gain 90 jours pour yo c'est un coup son 90 jours et c'est lié pour est-ce qu'on fait job là. Après 90 jours, yo gen droit yo évaluer pour dire si y a kembo ou bien si y a pas kembo parce que avant 90 jours ou pour employer vrai. Mais moi même travail ça bon Dieu moi là m'a travail avec et gouvernement et bien bon Dieu fait une grâce depuis sous 2 mois. Normalement c'est sous 3 mois on t'a de connaissi place gagne si gagne job là oui. Pourtant, bon Dieu font bagay extraordinaire sous environ 2 mois. Non seulement yo pas même gè trevé nan fè probation, nan fè évaluation, bon Dieu fait une promotion. Une promotion. Moun pa prend promotion nan job lò pou passer 90 jours. Moun pa prend promotion comme ça. Et m'a gardé pour moi me chercher pas tellement ouais, m'pa ouais ça. Donc pour moi ça sont miracles. Donc je dis à bon Dieu fait miracle. Bon Dieu continue à faire des bagages extraordinaires pour la vie ou pour nous même des fois nous pas même constater ça. Nous pas même et bye sa valeur. Ou vin nos pays des fois pas même qu'à parler langue nan même ou travail ou comprendre moins et puis des fois penser c'est parce que bon gars mon petit pays a pas qu'à venir travailler. Mon petit pays a fait la donne. Yo pa travay, son miracle bon Dieu fait pour. Et ça fait le nous comprendre bon Dieu, le gen respect pour bon Dieu, nous supposons approcher bon Dieu avec révérence et approcher moun bon Dieu avec révérence. Nous pas doué comprendre son bagay, son bagay consali, son grâce, son faveur et nous doué vivre grâce ça avec faveur ça que bon Dieu ba nous avec tout respect nous gen pour bon Dieu, pour parole bon Dieu, pour travail bon Dieu. Donc nous souhaitons bon Dieu bénisse nous. M'ta parlé plus m'a campé là. Pour faut qu'on ait que eh bien l'église primitive là il y a une bagaille qui était fait forte qui était fait solide et parce que tu gagne ça au les crainte pour bon Dieu tu gagne ça au les respect révérence pour bon Dieu pour parole bon Dieu tu gagne ça au les crainte respect révérence une avec l'autre tu gagne tout ça au les en pile miracle en pile prodige qui t'a fait parce que cœur monde pour bon Dieu monde aimer bon Dieu monde respecter bon Dieu et bon Dieu t'a développé fait des miracles. Nan mitan yo jodi a li possible parce que parole la claire même bon Dieu qui est là hier là c'est lui même qui la jodi a si nous mettez nous dans condition pour seigneur a joindre nous et bien gen bagage extraordinaire li ka faire avec nous gen prodige gen miracle li ka faire avec nous non seulement dans la vie personnelle nous dans la vie familiale nous dans la vie et moun m pa konn environnement ko toi travaille dans l'église ou ko toi passer bon Dieu ka permettre que son boule miracle et pour son moun ka propager miracle ko toi. Nous souhaitons bon Dieu bénir, bon Dieu fort grâce. Qu'aimer faire, songez bien, l'église a grandi
L'église a béni si gen sa ou les craintes, si gen sa ou les respect mutuel, respect révérence mutuelle et si gen sa ou les l'amour, la prière et puis avec sa miracle à possible. Bon Dieu bénisse.